Parce que là, on a quand même pas mal de bois, tout ça. Oh merde, droite ou gauche. Ok, cul-de-sac, très bien. Pour éviter de repartir chez nous, genre à la maison et tout, pour récupérer à manger, on va peut-être aller... Enfin, faire cuire en tout cas, à côté du... Du cadavre. Ouh. De la carcasse du loup. Comme ça, on récupère la viande et on fait cuire directement. Alors, un truc que je voudrais tester. Vallée de la rivière calme. Oh yes. Ah, je crois que c'est la nouvelle zone. C'est la nouvelle zone hardcore. On m'en a parlé. Apparemment, c'est assez dur parce qu'il n'y a pas d'habitation, rien ou un truc comme ça. Ça peut être cool. Ok, cool. On a trouvé une nouvelle zone. Donc, la prochaine fois... Enfin, quand on aura fini avec Milton, bah, on passera par là directement. En plus, franchement, la grotte, elle est pas loin des habitations. Du côté de Milton, hein, je parle. Donc, on pourra faire le plein. On pourra faire le plein avant de partir et tout, y a pas de problème. Ok, bon, par contre, ouais, la torche, elle a... Ok, je me rappelle de ça. Je me rappelle du pilier. Je me rappelle du trou. Ouais, je crois qu'on... Ouais, on est sur le bon chemin. Donc ouais, on ira là la prochaine fois. Enfin, pas la prochaine, mais voilà. Quand on aura fini, ce sera notre prochaine destination, en tout cas. Bon, par contre, on est un peu loin. On est un peu loin. Mais du coup, ça nous réchauffe. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est plutôt cool. Ok. Ah, mais je suis content. On a trouvé la grotte. Je reviendrai pour faire la carte. Pour le marquer sur la carte. Cela, il fait un peu trop froid. En plus, on est lourd, donc on va courir doucement. C'est un peu chiant. Oh, c'est bon, ça. C'est bon parce que on a trouvé un établi à l'intérieur, dans le mobilhome. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah putain, monte. Allez, monte. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle a du mal. Y'a rien qui bouge. J'étais en train de me dire, on a du feu, on peut faire du feu, donc on peut cuire. Mais est-ce que j'ai un récipient d'eau sur moi? Ah. Ça, c'est une autre question par contre. Ça, c'est une autre question. Ok. Alors. Voilà. Je vais pas regarder combien il faisait. Parce que s'il fait trop froid, ça sert un peu à rien. Ah, j'aurais dû regarder. J'ai un peu peur qu'on fasse du feu pour rien là par contre. Bah, c'est pas grave, on verra. Come on! Moins 35.
Allez. On va le faire quand même. De toute façon, on a plein d'allumettes. Je veux pas dire, mais on a quand même plein d'allumettes. On a plein d'allumettes, on a plein de bordel. Non, on a plein de bordel. Oui, 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 je sais, allez. Très bien. Trois heures. Je sais pas si on en... ça va être assez chaud. On va voir. En tout cas, non, j'ai pas de... Ah, ça c'est con. Ah, faut absolument prendre une petite canette en fait. Une petite conserve, vous savez, c'est 0,50 je crois qu'on peut faire. Voilà. This pack is getting kind of heavy. Alors, faut voir. Placer. Placer. Alors, 48 minutes. Très bien. On est à combien? On est à 43%, ça va bon. 28 minutes, ça va. Wonder if I can drop any of this gear. Deux steaks en plus. Ça, évidemment. Le saloperie de vent se lève. On va prendre des torches. On est à 42, très bien. J'espère qu'on va pouvoir finir les deux morceaux de viande qui nous restent. Parce que ce sera un peu con quand même. Ce sera un peu chiant. Le feu est toujours là. Encore 9 minutes. 9 minutes et on a 3 heures de feu, ça va. Ça se passe bien, hein? Ça se passe tranquille. De toute façon, je l'ai dit, à chaque fois, je l'ai dit plusieurs fois. Quand il y a une grosse journée, nuit, enfin quand il y a un gros moment de blizzard, la plupart du temps, on est tranquille pendant un moment après. Le temps est potable. Très potable. Ouais, par contre, on peut pas faire d'eau. On peut pas... Bon, on a ça en réserve, donc on pourra le boire si on veut. Mais on n'a pas d'eau en plus, on peut pas en créer. Tant qu'on y est. Ça fait un peu chier quand même. Ah! Il est où le mobilhome? Il est là. Je crois qu'il était plus loin. Parce que... Oh putain. Oh mon dieu, comment je monte? Par tout le toit. Parce qu'au mobilhome, on a laissé...
On a laissé de la viande crue. Et on a encore 3 heures de feu, donc autant le, hein, autant l'utiliser le feu, parce que là, là c'est complètement de la perte. Si je pouvais faire de l'eau, moi. Ouais, faudrait garder ou un faitout ou une canette. Je pense une canette, parce que c'est plus... Bah c'est moins lourd déjà. Et je pense pas que quand on part loin et que... Yes. On va peut-être en laisser un peu de la viande parce qu'on a 2, 3, 4, on a 3 sur nous, on aura ça aussi. Voilà, très bien. Peut-être en manger un. Ah, très bien. Oh, putain. Ouais, un faitout, je crois que c'est 1 kilo. Attendez. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'il faisait aussi beau temps? Peut-être que j'ai utilisé une allumette pour rien. Peut-être qu'on pouvait faire la loupe. C'est possible. C'est possible qu'on pouvait faire... Ouais, bon, c'est pas grave. On va essayer de pas y penser. Ah, très bien. Oui, parce que quand on part, on a la plupart du temps, on a de... Après, dans une minute, près d'une minute. On a beaucoup de... d'eau sur nous, donc il n'y a pas de problème, vraiment. Donc le mieux, c'est faire un petit bol. Une petite canette. Une petite canette vide. Comme ça, pour... Et un truc que vous pouvez faire aussi si vous avez besoin d'augmenter la chaleur, parce que chaque brindille, ça augmente d'un degré. Et là, on récupère en fait une torche. Alors bien sûr, bon, ça consomme le feu, hein, ça enlève 15 minutes, je crois. Genre 23, prendre torche. Ah non, 10 minutes, 10 minutes. Mais si vous n'avez pas de bois sur vous, que vous avez tout mis déjà et que c'est pas assez chaud, vous pouvez en fait en retirer pour en remettre. Et du coup, bah, vous gagnez quand même un degré à chaque fois. Et bon, les degrés, c'est important. Hein. Vous avez vu qu'à un moment, on était à zéro. Et on n'augmentait pas. Parce qu'on était à zéro. Mais on avait quand même le froid. Quoi. Donc il fallait juste monter d'un ou deux degrés. Enfin, d'un degré. Et hop, c'était bon. Donc ça aussi, c'est une bonne façon de faire. Alors, 0,5, 0,5, ok. 48, 1, 1. Okay. Ah, c'est celui-là que je viens de cuire. Donc, en, ouais, en gros, ça pourrait être un appât, quoi, tellement c'est petit. Pff, on va le manger quand même. Parce qu'on en a déjà 4 d'appât. Enfin, donc, ça ferait 3. Non, 4. 4, on a tout ça. Et ça, on va le manger aussi. Voilà. Il est à 36 kilos parce qu'on a beaucoup de bois. Voilà, ça c'est bien. Ok. Yo. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, cool. Rien. Faut qu'on dépose tout le bordel qu'on a du loup. Récupérer ça, on va changer ça en petit bois après. Là, on est en train juste de récupérer le feu. Faudrait une option quand même pour éteindre le feu parce que je l'avais déjà dit, j'en ai déjà parlé.
Ouais, 14 minutes, on se casse. Ça serait utile de pouvoir éteindre le feu pour récupérer par exemple du charbon. Parce que le charbon, on en a besoin pour dessiner. C'est trop là, non? C'est trop pentu. Torres, vas-y, je t'en supplie, dis-moi que tu peux. Oh, yes, t'es la meilleure. Là, comme ça? Yes, t'es la meilleure. Ah, oh, tu gères. Ouais, c'est bon, on est en train de geler de toute façon. Yeah, parfait. Ok. Oh, on a tout ça est brisé. Voilà. Alors ce qui est bien avec le bois là qu'on a, à la limite on peut le laisser là. Même les boyaux en fait, ça on va pas les ramener. Ce qu'on pourrait ramener, c'est simplement la peau, en fait. Parce que bon, si on doit crafter, on viendra là. Vous voyez ce que je veux dire? On viendra là de toute façon. Par contre, faut absolument faire le vide, là. Oups. J'avais pas vu ça. Enfin, je l'avais vu, mais je l'ai même pas pris, au final. Du coup, faut remettre la peau. Excusez-moi. Et on a 5 petits bois, maintenant on va casser les torches, ça va prendre un petit moment. Ouais, bon. Faire. Et après, donc on va repartir à la chasse de l'élan. Enfin, à la chasse, c'est un grand mot parce qu'on l'a toujours pas vu. Enfin, on l'a vu la première fois, mais quand on avait fait le tour la toute première fois, je crois. Mais bon. Alors je pense que quand vous voyez des marques sur les troncs, vous voyez les marques que l'élan fait, je pense que c'est des endroits où il peut apparaître. Et il va d'un endroit à l'autre en fait, il se balade. Cela expliquerait pourquoi on a eu du mal à combattre le tout premier qu'on avait eu. Vous rappelez à la... comment ça s'appelle? Ça fait un moment déjà, hein, plusieurs mois. Mince, l'autoroute. 42, ouais, c'est bien. Car, ouais, l'autoroute côtière ou l'autoroute, je sais plus trop quoi là. Là, c'était pas mal ça. C'était pas mal parce que. Enfin, c'était pas mal, qu'est-ce que je raconte? Enfin, là, oui, la zone était pas mal. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que. On a eu du mal à le trouver parce que on allait à l'endroit où c'est qu'on l'avait vu. Puis après on le trouvait pas, puis après on revenait. Enfin on partait, on revenait, des fois il y était, des fois il y était pas, souvent il y était pas en plus. Et puis un jour, bon bah on l'a eu quoi, mais c'était pas facile quoi. C'était pas le truc, regardez je suis là et je reste là quoi. C'est le truc qui bouge tout le temps. Donc c'était un peu la merde. Bon, ce qui m'inquiète c'est l'eau. Si on a le moment où c'est qu'on a plus d'eau, il faudra bouger. Hein. Ça faudra absolument bouger. Je crois qu'on a encore 1 litre, voire 2 litres à la... l'église. Donc ça va. Donc ça va, ça va. Ok, go. Mauvais temps là, mauvais temps. Là on peut encore passer une nuit tranquille au mobile home. On a assez de bouffe, assez d'eau. Il n'y a vraiment pas de problème. Je vais aller voir la carcasse qu'on avait vue là. Je crois que c'est un cerf. De la chute d'eau? Non. Je sais pas. Ah, là-bas, là.
Alors. Oh, il y a une corde. Il y a des massettes. Say I hate being cold. What do you do? Ouais, y a personne. Je sais pas par quoi il a été tué, mais on a une corde. Oh, maison. Attendez, c'est chez nous là. Putain, j'arrive pas à reconnaître. Cette maison, la grande maison à deux étages là. Un étage. C'est chez nous. Ouais, si. Ah, mais c'est. Comment on y va? Comment ça se fait qu'on a jamais vu. La corde. Enfin, il y a beaucoup d'arbres après, bon, je comprends. Je comprends, il y a énormément d'arbres. Bon, on se casse. On va dormir. Intéressant. Intéressant, donc. Donc si jamais on veut partir, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre directement la corde et monter. Hmm. Ah oui, point de vue gain de temps, c'est pas mal. Hein. Point de vue gain de temps, c'est bien. Genre temps réel. Hein. Genre on a juste à monter la corde et hop, on est là, on est devant la grotte par exemple, pour changer de zone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal. Par contre, encore une fois, monter la corde va nous fatiguer. Donc, ça risque d'être... Mais bon, après, on dort ici, quoi. On dort complètement ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Bon, bah, on se rappellera du coup de la corde. On se rappellera de ça. Bon, quoi faire? Il est quelle heure là? Oh, putain. Comment on peut faire passer du temps? On coud? On peut peut-être coudre? Hop. On n'a qu'à coudre. Juste pour passer le temps et puis hop, on se casse après. Enfin, on dort après. On se casse. Non, on va pas se casser, on va dormir. Alors, ça, ça, on peut pas recoudre. Réparer. Et donc, en gros, on va rester vers le mobilhome pendant un petit moment. Le temps qu'on chasse, quoi. 1h04. Le temps qu'on chasse, qu'on trouve les lances. Si on jamais on le trouve. Échec, mais oh, c'est quoi cette merde? Change de réussite 85% et ça casse deux fois. Enfin, ça loupe deux fois. Oh, trois fois. Putain, tu te fous de ma gueule. Il va faire nuit. Elle va dire une arrivée trop nuit. Ah, par contre, attendez, parce que je vais mettre devant le lit. Parce que sinon, je vais pas le trouver. Ça, c'est bon. Pantalon. Ah, j'ai pas assez de tissu. Merde. Damn it. So hungry. J'ai pas de tissu. Bah merde. Merde.
Qu'est-ce qu'on fait en dehors? Bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Allez, on dort. On va dormir un petit 10 heures encore. On va se réveiller la nuit, ça fait chier. On dormira 11 heures. Une petite heure de plus qui aide pour avancer dans le temps. Eh, c'est parti. On mange, on boit, on dort. Et après, demain, on repart à la chasse. Reste combien? Ah, carrément, merde. Il nous reste très peu d'eau. Hein. Il nous reste très peu d'eau. Bon, vu qu'on a des pourcentages raisonnables. 22. Ouais, c'est bon. On va vadrouiller un peu. On va voir s'il y a l'élan ou quelque chose d'autre. Et après, ce qu'on va faire, c'est... retourner à l'église. Pour récupérer l'eau. Je pensais pas... Franchement, je pensais pas qu'on allait être dans la merde par rapport à l'eau. Mais bon, ça c'est une erreur. C'est mon erreur de pas avoir pris un récipient pour faire de l'eau. Parce que oui, on peut plus faire de l'eau comme ça maintenant. Donc, quand on a fait le feu, au lieu de cuire, on aurait pu faire de l'eau. Ah, personne encore. Des lapins. Et si on allait un peu plus loin? Parce que là on reste toujours dans le périmètre. Peut-être que l'élan on va le trouver plus loin. Hein. Bon, personnellement ça m'étonnerait, mais bon. Autant un peu avancer. Hein. Et puis après on reviendra sur nos pas pour aller récupérer. Pour aller récupérer l'eau. J'ai cru entendre un loup. Non, le corbeau là. Ah oui, c'est le cadavre, on était déjà venu. On avait déjà fouillé ça. Ah! Je savais bien que j'avais entendu un loup. Il a eu peur de notre vêtement. Qu'est-ce que tu fais? Ça devient simple. Ok, on a brisé une flèche, c'est cool. Si pour ça. Il fait moins 23. On va vite geler, donc on va pas trop s'aventurer loin, mais... Juste histoire d'avancer un peu. Ah, c'est pas là qu'on sort. Vous savez, comment on va appeler cette zone? Le labyrinthe? Ouais, le labyrinthe. On va l'appeler le labyrinthe. Vous vous rappelez du labyrinthe? Je pense que c'est ça. Ouais. Là, on est où du coup? Ouh, le pont.
Ah, il y a plein de voitures du coup. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je serais pas contre... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux? Un soda. Je serais vraiment pas contre un soda. Je dois être honnête. Comme ça, ça nous ferait de l'eau et des calories. Alors après, bon, une bouteille d'eau, ça me va aussi. Hein. Mais ouais, un petit soda, là, serait cool. Oh, merde.